Toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 29 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai pigé aujourd'hui le fils de l'eau et c'est encore les émotions, n'est-ce pas ? Tout ce qui touche l'émotionnel. Le fils de l'eau, son essence, sensualité. C'est le charme, la sexualité, le magnétisme, la finesse, la tendresse, la créativité, la force de séduction. Mais pas que. Ça peut aussi avoir comme essence les sauts d'humeur, l'impondérabilité et l'infidélité. Le message intérieur de cette carte, eh bien, la force d'Eros est l'une des forces les plus secrètes et les plus créatives de la vie. Toutefois, il s'agit ici de manipuler aussi consciemment que possible et avec le plus de finesse possible, cette force très magique et très séductrice, mais aussi totalement imprévisible. Nous ne sommes pas maîtres de ces forces, elles circulent en nous et veulent être utilisées à bon escient, n'est-ce pas ? Forcément, on ne va pas les utiliser à mauvais escient. Alors, devenez plus conscient de l'effet que vous produisez sur d'autres et de l'influence que vous exercez sur eux. On vous invite à respecter la sphère intime des autres et apprenez parfois aussi, à vous poser certaines limites. Sinon, n'est-ce pas ? Eh bien, votre charme risque de rendre certaines personnes folles. La manifestation extérieure, eh bien, vous pouvez utiliser vos talents uniquement pour votre propre avantage, mais pas que. Aussi pour vous servir sagement de vos talents et tenir compte de la prospérité d'autres personnes. Cette dernière proposition est celle qui est la plus près de votre cœur, votre grande sensibilité ne vous permettra pas d'utiliser inconsciemment d'autres personnes, même sur un niveau des plus subtils. Alors, je vous invite à apprendre, par conséquent, à manipuler de façon éveillée et avec sensibilité vos dons intuitifs, mais dans votre quotidien, et efforcez-vous de les utiliser pour votre bien-être et celui de toute autre personne. Utilisez-la à bon escient. Et c'est ainsi que vous vous rendez ainsi le plus grand des services. Waouh, sensibilité. Allez, attention hein, de ne pas s'éparpiller, n'est-ce pas ? C'était le fils de l'eau.
On termine avec l'oracle de l'évolution. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Eh bien, petite question, dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Où te situes-tu présentement? Voilà. Vous savez, moi pas. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.